pour que chacun de nous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont en nous. On est si vraiment pour que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs paroles, par plusieurs autres paroles, il les congénère et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Marc chapitre 16, verset 14. Marc 16, 14. Enfin, il apparaît aux onze pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru à Christ qui l'avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fit enlever le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Prions, notre Dieu, notre Père. Alors, ta parole vient d'être lue, que tu allais prendre la prudence, manifeste ta grâce, parmi nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu bénisses. Nous allons essayer un peu de continuer. Toujours les retards à l'église. 30 minutes avant la réunion. Amen. C'est 30 minutes avant la réunion. 16h30. Il faut arriver à l'église. Quand j'ai retrouvé. Nous allons en revenir avec le remède. Amen. Amen. C'est comme s'il savait de payer pour payer les lanceurs de la Simon. C'est le seul lanceur qui parle de nous ici. Quelqu'un dit qu'il nous a dit que le Sultan Bout est le mieux ce qu'on avait tout cas. Amen. Amen. Tu t'es vraiment conduit. Voilà pour toi dire ça. Tout ça c'est là. Mieux ce qu'il a compris. Amen. 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 Donc tu disais que. Nous voici toi dit. Voici notre terre. Il y a une qui est sur le retour. Notre maître. Mangam. Notre maître. Mangam. Donc le médicament. Mangam. Amen. Amen. Nous avons dit qu'on ne peut que parler de remède. Maintenant, je sais que ou quand on parle de remède, on attend pas que je le mangam. On fait allusion. Bah, que à une maladie. N'a qu'une bête, vous aussi. Quand il y a une maladie, n'a pas qu'une bête, vous qu'il est. Alors, c'est lorsque le remède intervient. Ni pour un mandat, vous qui poussez ça. Amen. Amen. Donc, d'ailleurs, on ne peut pas parler de remède. Maintenant, je vous ai un mandat, s'il n'y a pas une maladie. Quand il y a qu'une bête, vous qu'il est. Et nous savons expliquer. Peut-être que ça se mouna, que quand elle est tombée, n'a pas qu'une bête, vous qu'il est. Ça a amené les malades. Babi Bevo. Tant spirituel que naturel. Voilà pourquoi dans la puissance en toi. Il y a la tête à vous comme il coupe une camp. Quand vient de lui, il n'a plus plus à terre. L'Éternel dit ceci. M'envoyez-vous que nettoyer. Je suis l'Éternel. Mouké m'en plus. Qui te guérit et n'y a plus ça qu'à de toutes tes maladies. Babi Bevo et nous Amen. Amen. Donc, dans le puissance en toi, la tête à vous que le coup, la carte sur la tête, l'Éternel se présente, Mangoulou qui a coûté à la lui-même, Yandi Mossi, comme étant le médicament, Moutine du Mabanga. Amen. Parce qu'il dit,
Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Voilà pourquoi nous l'appelons le grand médecin. Donc il dit que je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Donc il n'y a pas une maladie que lui ne peut pas guérir. Maintenant, puisque il y a comme une pierre de coups, c'est-à-dire qu'il y a des maladies spirituelles. Amen. Amen. Ou autrement dit, la maladie de l'âme est la maladie physique. Amen. 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 Que ce soit la maladie de l'âme, ou les maladies du corps, au départ, tous les biens sont surnaturels. Parce que derrière chaque maladie physique, il y a un esprit. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le chef des démons. Je n'ai pas mis cette situation. Mais là, t'avais compris, on a parlé ça. Amen. 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 Le chef des démons. Vous m'avez mis couille. Frabana. Pas Gibana. La peine. Qui n'a pas dit la yanni. L'incrédulité. Comment on a dit ma. C'est le chef des démons. Et qui n'a pas mis couille. Mais dit que c'est le chef des démons. Mais c'est la demande yanni. Vous m'avez mis. Maintenant. Emmanuel. Puisque la condition sur le corps. Nous dit lui-même qu'on est la caisse et du tout. Amen. Amen. C'est sous le corps. Amen. Il y a des nous. C'est aussi dans l'âme. Il y a des nakets qui là. Ok. Amen. Donc, dans l'âme, il y a des nakets qui sont là. Sous le corps aussi, il y a des maladies. Il y a des qui sont okay. Et les maladies du corps, tel que le conseil, le palu, il y a des il y a et tout ce que nous avons, il y a des au préalable, derrière cela, il y a un esprit. Mais comme il ne pas croyant, nous disons que
d'Israël. Si vous croyez, vous ne serez plus la tuerie.
Désobéissance à la parole. Ça veut dire qu'il m'aime beaucoup, tout le monde m'a fait la main. C'est l'actualité. Ah. Que le parce qu'on ne croit pas. Ça veut dire que si on croyait, quand on avait venu avec toi, mais de la poser la main. Mais quand on le dit, vous ne croyez pas, vous allez faire quoi? C'est vous venez avec toi. Mais vous avez la mais le problème ici, c'est qu'il y a le corps, il y a des tirs tout. Les démons au niveau du corps, mais vous, il y a des tout. Qui sont le palu, il y a des malades, il y a des cancers, malades, il y a des cas. Mais ici, nous sommes au niveau de l'âme. Amen. Amen. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et voilà que le péché est l'incrédulité. Maintenant, tu vas dire que tu vas aussi manquer le but. Ne pas faire ce que Dieu a dit. Et quand on revient sur la base, c'est toujours l'incrédulité. Tu ne fais pas ce que Dieu a dit parce que tu ne crois pas ce que Dieu a dit. C'est une maladie. Mais la Bible dit. Dans le Psaume 103, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Dans toutes les maladies du corps, toutes les maladies de l'âme aussi. Mais comme j'avais dit, que je voudrais insister plus. Ce soir, la coquille est
Parce que le pasteur ne traite pas avec les temps des uns. Parce que les deux ne peuvent pas profiter ensemble.
ministre. Donc, dès que tu crois, si tu as cru, tu as cru de ton cœur. En ce temps-là, ton propre livre a mis à laisser couler ce qu'on appelle le vaccin de Dieu qui est en toi. Parce que Fabana me dit que le Saint-Esprit ne peut pas vous conduire en dehors de la parole. Il vous conduira toujours dans la parole. J'attends. Allô. Ça, c'est même pas ça. Amen. On n'attend pas. Même si Dieu proche, que tu ne vas pas obéir à la méditation. Tu es venu ça. Tu es là. Quand c'est un preuve comme il est là, tu dois venir comme les autres. Même si tu fais ici, tu viens comme les autres pour obéir à ce que le prophète a dit. Sinon, ce sont les habitudes. Parce que ici, c'est le temple. Tu vas ouvrir le temple. C'est le temple. c'est la vie.
Yes.
il en ne fume pas. Attends, tout le monde, tout le monde fait quoi pas? Tout le monde a fait. Ce n'est pas ça qu'on a besoin. Ni la vérité dans le sang. On doit lui amener à croire. Il faut le mettre dans le bouquet là. Amen. Quand il croira. La dernière de bouquet là. Ma frère maintenant me dit. Il n'y a pas maintenant de toi. Le ABC. Le gouvernement vous a dit. Le ABC. Il a dit maman vous a dit. Oh le Billy. Donc tu dois croire en Jésus. Tu dois toujours croire en Jésus. C'est ça les ABC. Donc comme dans le débitant. Les premières choses à apprendre. Dans le christianisme. Pour que nous avançons. On doit apprendre à aimer et à croire au Seigneur. Quelqu'un ne peut pas pécher avec la parole. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Quelqu'un ne peut pas pécher avec la parole. Amen. Amen. Pêche sans la parole. Mais sans la parole, on ne peut pas pécher. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être indépendant. Je peux avoir un homme, mais sans avoir là. Amen. Au nom des frères, j'ai appris ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça. Même c'est bien. Mais il n'a pas péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que, ça me dit, ça sont les fruits. Il y a qui va mourir. Mais où est là? Moi, puis moi. Amen. Quand il n'est plus là, ça veut dire que c'est qu'il a fait là. Il ne va plus le faire. Parce qu'il n'a pas une arbre en lui qui va produire ça. Ça veut dire que c'est un païen a une arbre en lui qui produit ça. Le lutin, le félicité. Est-ce que vous comprenez? Qui peut produire le fruit à chaque circonstance.
l'incrédulité. Parole d'écoute. Inexculpé. Amen. Vraiment enlevé. Amen. On laisse aucune trace. Et Christ. Et Christ. C'est le temps d'être vacciné. Il y a une dame, la cousine a mis. Et le vaccin là. Comment vous l'avez pas? Aïe. Amen. C'est un fax. Mais tu n'as pas encore lu. La bonne dame. Les poussiers doivent venir monter dans la place à s'asseoir. Mon king, il faut la cousine à la cousine à mon cousin ou pas? Il rentre, tu le prends. Allez, la cousine à la cousine. La cousine ici, bien pour là-bas. Oui, monsieur. Hein, madame? C'est ce qu'on dit là. Ni n'a pas. Trop de répétitions parce que le pasteur. Amen. Du boulot. Il y a quelque chose. Des petites choses. Maman me fait chier. Amen. Amen. Madame dit les cousins vont entrer ou s'asseoir. Pardon, c'est pas ça pour les maisons. Ni un verre pour les maisons. On a donné une brochure ce qu'on lisait. Mais il y en a beaucoup pour venir. Et l'homme de l'église en 8. Amen. 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 C'est qui ceci hein? Disons. Maintenant. Du bon mon galate. Mandame le galate. Amen. 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 Prêcher les 24, 11e mois, 59. Le paragraphe 30. Y a-t-il pas du mal en Galate? N'y a-t-il pas de Saint-Esprit aujourd'hui? Il n'y en a-t-il pas? Mais quel est-il? Pourquoi les gens vivent comme ils veulent? C'est lui qui va pas dire que tu vas me dire. Pourquoi les gens ne vivent pas la parole? C'est lui qui va pas dire que tu vas me. Est-ce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit? Il n'y a pas le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit? Il n'y a pas le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y en a pas encore? Il n'y a pas le Saint-Esprit? Pourquoi? C'est lui qui dit. Les gens ne vivent pas la parole. Parce qu'il est-il qui va me dire. Amen. N'y a-t-il pas de parole? Amen. Amen. Oh, c'est un bon sujet ça. Amen. 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 Le monde fait inspiré par le Seigneur. Amen. 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 N'y a-t-il pas? Y a-t-il pas? Y a-t-il pas? Qu'a dit Jésus? Y a-t-il pas qu'il soit? Voici. Allez partout le monde. Amen. 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 Parce que ce qui abonde aujourd'hui,
invités sont là. Amen. Ma place est pour moi. Si je vois mes invités venir là. Arrêtez là, on va faire un bon là avec un crise. Famille! On acclame le Seigneur. Il faut que les hommes vaccinés. Mais nous, on va faire ça. Allez partout le monde et vaccinez-les. Le Seigneur, mon Congolais. Donc, ce sont des combats de vaccination contre le péché. Imagination.
disait, c'est de conduire l'agneau. Il nous conduit cette image. La femme a péché. L'agneau est la colombe. Amen. Vous savez, si on vous vaccine,
fait périr. Amen. Amen. Ou quelque chose de ces choses. Le terme là. Et qu'il n'y a pas de réaction. Mais on veut tout faire. Eh bien, c'est que votre vaccin n'a pas marché. En disant, oui, mon Seigneur, je crois l'avoir reçu. Votre vaccin n'a toujours pas marché. En train de suivre la télé, il vient de dire à mon cœur le Saint-Esprit. Où est-ce que j'ai Dieu dans mon cœur? Nous avons, frère de quoi? Dieu aime aller à l'église. Mais une autre question. Si Dieu va à l'église, viens le temps. Frère Barra m'a dit, Dieu aime aller à l'église. Maintenant, quand Dieu va à l'église, il va le temps. Est-ce qu'il va briser sa propre parole? Ah, donc c'est la preuve que vous qui venez en retard, vous n'avez pas de ces espèces. Il n'y en a pas. Cherchez ça. Parce que Dieu vient toujours à l'église. Mais attends. Parce qu'il ne peut pas briser sa propre parole. Des ordres de l'église, hein? On dit quoi? Dieu est un Dieu d'or. Vas-y, dans cet esprit-là. Sinon, je te prierai d'aller te mettre dans une fouiller ça. Amen. Il n'y en a pas. C'est vide, là. Et je vous dis,
C'est le temps de le chercher. C'est le temps de se confondre. Et de chercher ça. Tu n'en as pas. Amen. Tu vis où va? Tu vis où? Tu vis à Bingrou? Tu vis à Nanga? Tu vis à 0 mètre là? Pourquoi tu n'as pas les réunions? Amen. Pourquoi tu n'as pas les réunions? Pourquoi je n'ai pas de mettre de l'épouse? C'est un gars qui est avec nous. Pourquoi je n'ai pas de dimanche? Alors tu es chez toi. Et puis me dis que tu es sauvé. Je t'exhorte ce soir. Cherche le Saint-Esprit. Moi j'ai envie des âmes qui vont être sauvées. Je ne peux pas voir les peuples de la tribulation. Je prépare un peuple que Jésus viendra prendre. Amen. Réveille-toi. Voilà les frères, réveille. Je vous ai dit que je veux parler. Pour quelle chose ou bien? Amen. Je veux parler. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? C'est pour vous préparer à le recevoir. Il faut qu'on brise tout le mythe. Ramener tout ça. Nettoyer. Pour ce coup-là. Que la paix descende en vous. Est-ce que c'est bon? Amen. Frère Banam me dit, le pasteur, son but à lui, c'est d'amener le peuple au baptême du. Il n'y a pas autre chose. Le reste qui se passera là-bas sera alors le travail de Christ lui-même. Le pasteur en chef. Amen. 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 Le grand médecin. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu! Merci! Et souvent, quand ils viennent en retard, c'est un qui veut derrière le fils Satan. Il est venu en retard, mais il veut derrière le fils Satan. C'est un démon! C'est un démon! Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Ça rentre! Est-ce que ça rentre? Continuons. Merci Seigneur. Il dit. Et si vous vous relevez de l'autel. En disant. Gloire au Seigneur. Je crois l'avoir reçu. Votre marché n'a toujours pas marché. Si vous retournez. Et que vous vous mettrez à fumer, à boire, à faire des choses comme auparavant. J'ai dit à toi, peut-être que tu ne fumes pas, mais quand tu vas sortir ici, c'est que tu as entendu là, et que tu reprends encore le fait. Prenez la suite. Amen. Amen. Ton vaccin n'a pas marché. Alléluia. Tu n'as pas reçu le mais si tu sors d'ici, tu ne refais pas ce que tu faisais avant. C'est que ton vaccin a marché. Dieu est rentré en toi. Et t'es en train de connaître la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est dit. En a tout bas. Merci Seigneur. Donne-nous le il dit. En a tout bas. Vous me fumer à boire, à faire des choses comme auparavant. C'est un tu n'as pas. C'est que. La quête. Votre passé n'a pas encore tenu. Alléluia. Amen. Si vous pouvez vous asseoir. Dans des réunions comme celle-ci. Comme celle que vous voyez présentement. Comme ceci. Amen. Comme celle que vous avez vue cette semaine. Où le Saint-Esprit. Qui s'est un peu vers l'homme. Entre en action et accomplit des œuvres et que vous restez tranquille que vous sortez en disant il n'y a rien à cela
Ce que votre vaccin n'a pas encore tenu. C'est vrai. Amen. Parce que quand l'Esprit est en vous et que Dieu est en train de faire une œuvre, ça va aussi réjouir votre cœur. Vous crierez, loué soit le Seigneur. Quand on chante, le comté de chant, chante par l'Esprit de Dieu. Le salut pour le feu. Je suis encore là. Il dit ça, c'est le bon Galate. Prêcher le 18, 2e 61. Bon Galate, 18, 2e 61. Le paragraphe 73, quand on dit, j'aimerais maintenant que vous, vous vous trouviez une bonne église, une bonne évangile. Que quelqu'un vous baptise du baptême chrétien. Qu'il vous baptise du baptême chrétien. Au nom de Jésus. Par immersion. Amen. Ensuite, ensuite, donc après ton baptême, ensuite, cherchez le baptême du Saint-Esprit. Au nom de toi que je l'ai. Cherchez. Eh bien, cela vous vaccine contre la chose qui vous a condamné. Ce soir. Il y a quelques séries dès que tu as écouté, mais tu n'as pas écouté. Branham dit, cela vous vaccine contre la chose que vous avez écouté ce soir. L'esprit a vous condamné, non? Amen. Condamné, condamné. Et il dit que cela vous vaccine contre la chose que vous avez écouté ce soir. Hein? Mmh. Eh bien, cela vous vaccine contre la chose même que vous avez condamnée, qui vous a condamné ce soir. Vous passez simplement au-dessus de ça. Ah. Il dit, le vaccin vous préserve de la maladie. Ok? Merci beaucoup. Nous ne sommes pas les pentecôtistes. Parole de rien. Nous, la prière et la parole. Amen. Ok? Amen. Il dit, vous,
vous réunir. Voyez, le vaccin vous préserve de la maladie. Le vaccin du Saint-Esprit. Donc ça vous préserve de la maladie. Donc le péché à venir. Déjà vacciné. Donc tout ce que le diable a tenu comme piège. Comme tu as déjà été vacciné. Amen. Amen. Allumez votre torche de téléphone là. Comme vous avez déjà été vacciné. Le piège qui vous tend là. Ça va s'arrêter en route. Il n'y a pas aboutir. Pourquoi? Parce que tu as été vacciné. Si j'étais vacciné contre la polio. Amen. Et que la polio viendrait. Puis que je suis vacciné. Vous ça ne va pas m'atteindre. Non, moi je n'ai pas de libre. Amen. Papa, amen. Mais aujourd'hui, on voit le truc qui est vacciné. Avec un cachet. Non. On l'a vacciné de Covid-19. Mais il porte encore le cachet. Mais Balaam dit que quand on est vacciné, on est vacciné contre la maladie à venir. Tu es préservé de ça. Amen. Donc tu peux marcher comme ça. Le péché passe là. Ça passe là. Ça passe là. Quoi? Ça ne t'atteint pas. Pourquoi? Parce que tu as été inoculé à ça. Amen. Amen. Tu as été vacciné à ça. Tu t'es épargné. Il n'y a pas moyen que ça puisse t'atteindre. Amen. Mais si ça t'éteint, quand elle zone, ça t'éteint chaque fois. Qu'est-ce qui se passe si je tombe? Tu n'es pas vacciné. Amen. Chaque fois, ça veut dire que tu n'es pas vacciné. Tu es vulnérable aux maladies. Amen. 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 Il faut qu'il défonce. Amen. La défense, Amen. C'est le signe. Amen. C'est le vaccin. Amen. Qui rentre en toi là. Ça te préserve. Amen. Ça te garde. Rentre le péché. Amen. Il dit. Ah, je dois finir. Le vaccin du Saint-Esprit vous donne la puissance. Amen. De vaincre. Amen. Toutes les tentations du monde. Amen. Oh non, j'ai été tenté. Qui a tenté? Voilà. J'ai été tenté. Pasteur, j'ai été tenté. Qui a tenté? Hein? Si on t'a tenté. Tu es tombé, on comprend que tu n'avais pas de vaccin. Parce que le vaccin, si on prend ça, si on regarde ce que on trouvera que beaucoup n'ont pas le sein. C'est le moyen de quoi l'avoir. Il n'en a pas. Comme étant possession. On ne en a pas. Parce qu'ils sont chaque fois, ils tombent dans la tentation. Chaque fois, tentation. Tenté par l'argent, tenté par la femme, tenté par la popularité, tenté par la scroquerie. Tous tombent. Et ils tombent. Le vaccin. Amen. Donc il dit que. Il ne vaincra. Le vaccin là, il vaincra. Le Saint-Esprit vaincra. Chaque tentation. Les tentations du monde. Donc, sur le monde, il y a 100 tentations. Il ne prend pas en charge le COVID-19. Il ne prend en charge les 100% des tentations. Mais en notre terre, il n'y a pas une tentation qui peut t'atteindre. Contre le vaccin de Dieu, appelez le baptême du Saint-Esprit. C'est pour celle et les autres. Cherchez ça. Même pas la
tu ne vas pas te tenter. Amen. On a les films là passés. Il faut que tu te fasses d'abord. C'est déjà à l'église. Ça ne peut pas te faire. Il va t'éteindre tes lignes. Il vient à l'église. Ça ne peut... C'est ça le signe. Amen. Tu vas éteindre ça. Amen. Si tu restes là, Amen. En train de suivre le film. Amen. 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 Tu t'en venais en retard à l'église. Amen. C'est le test même que tu n'as pas le signe. Tu es signe. Amen. Tu fais du bruit pour rien. Mais quelle la parole est-ce là? C'est un tonneau qui fait beaucoup de bruit. C'est un tonneau qui fait beaucoup de bruit. Ce vaccin-là, les hommes du monde de science, ils essaient ça sur les cobayes. Pour voir si ça va marcher. Mais frère Alam dit, Dieu, pour son vaccin, qui est le Saint-Esprit, il a essayé ça sur son propre fils. Et quand il a essayé ça, sous son propre fils, ça a bel et bien marché. Il n'a pas croisé un démon. Satan lui-même. Il dit, si tu es le fils de Dieu, permets que ça devienne ça. Tu vas dire comment il est. Il te demande à ses anges. Pour que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Jésus, il est écrit. Amen. Il a vaincu le diable lui-même. Devant la femme samaritaine, il est prostitué. Il a vaincu. C'est le vaccin de Dieu qui est en train de marcher dans le Fils. Comme preuve, c'est sur nous aussi, ça va marcher. Parce que les blancs mettent ça sur le cobaye. Et ça va sur le cobaye. On met sur l'homme. Mais Branham dit aussi, tous les hommes n'ont pas les mêmes constitutions. Parce que l'homme n'est pas de même construction. Mais le vaccin de Dieu, le Saint-Esprit, quelque chose de que tu es, noir ou blanc, jaune ou je ne sais pas comment. Alléluia. Au colérique ou comment, ça va marcher. Amen. Pourquoi? Parce que sous le Fils, Jésus, quand il a passé cela, et ça produit les bons résultats. C'est moi. Ça ne fera pas autrement. Jésus aimait chanter. Il aimait parler du Père. C'est nous aussi. Ça fera la même chose. Amen. Tu ne fermes pas la bouche. On ne peut pas dire que si quelqu'un a reçu cet esprit, il ne peut pas fermer la bouche. Il doit parler. Comme Jésus a dit, ne savons pas que je me commis à faire mon Père. Votre Père est un homme d'affaires. On va s'occuper des affaires du Père. Ok? Et l'église aussi ici, c'est les affaires du Père. Venir à temps. Pour faire
qu'est-ce que cet esprit? N'a pas oublié qu'il était un peu valant. Ou pour que cet esprit était donné? C'est lui qui va passer un peu valant. Frère Barambi, ça a été donné pour enlever de nous. C'est un peu cadeau dans lequel. Et toi, je ne peux pas. Oh non, je ne peux pas vivre sans un copain. Le Saint-Esprit a été donné comme vaccin. Ça amène la foi pour la parole à s'installer dans notre âme. Le vaccin contre le péché, contre l'orgueil, contre l'impolitesse envers les hommes de Dieu, servir de Dieu, l'impolitesse, ça enlève tout ça. Tu peux maintenant respecter les hommes de Dieu, respecter les dames. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Respecter le Père. Gloire au Seigneur. Il dit, et ce frère, membre du clergé, c'est votre. C'est les bombes. C'est les bombes du vaccin. Vous direz, j'ai essayé, frère Branham. Mais j'ai échoué. Mais vous voyez, ce n'est pas ce que vous faites qui compte. C'est ce que lui a fait pour vous. Qui compte. Ce n'est pas que vous êtes qui. Ce n'est pas ce que vous êtes qui compte. C'est ce que lui est qui compte. Croyez en lui. Amen. Maintenant, que venez simplement à lui. Faites-lui confiance. En tant que votre médecin. Et laissez-le vous vacciner maintenant. Contre les tentations. Tu. Trois points de suspension. Immonde là-bas, il a dit. Amen. Là, il dit Dieu. Trois points de suspension. Amen. Alléluia. Eh bien. Vous serez tenté, évidemment. On va être tenté. Mais on ne sera pas vaincu. On ne peut pas empêcher la tentation. Et moi, je suis tenté. N'importe qui est tenté. Mais on ne peut pas nous vaincre. Parce que nous avons été vaccinés. Amen. Oh non, je tombe, je ne fais que tomber, atteins la perfection. Amen. Oh, comment? Quand tu es vacciné, tu es déjà dans le monde de la perfection. Amen. Parce que le Saint-Esprit, Amen. C'est la perfection. Amen. Soyez parfait, comme votre Père Céleste est parfait. Amen. On n'est pas parfait, mais quand lui vient en nous, on devient parfait. Amen. 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 Il ôte tout ça. Amen. Il ne peut pas. Mais une bonne plante, solide,
n'a pas besoin d'être aspergé. Elle est solide et forte. Sa force repousse les mauvaises parasites. Hein? Hein? Sa force repousse les mauvaises parasites. Comment toi, les femmes, ne fais que ça pose de toi? Les mauvais parasites. Ne fais que ça pose. Il doit te fuir aussi. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas la même profondeur que l'un. Pour qu'il vienne à toi, il faut que tu aies la même profondeur. Mais toi, tu n'as pas la même profondeur que l'un. Donc, attends mon sousou. Faut pas qu'il m'aille. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Quand le diable, Nathan Moukouyou, vient, que puisse sous un cœur, il connaît. Un mésar. Qui est un effet. Celui-là, il est fait. Il connaît. Un mésar. Amen, amen. Il connaît aussi les belles. Je vais te dénoncer là. Quand on accuse, oh. Tu écris au nom, frère, je t'aime, tout ça. Eh, hey, c'est ce que je vais penser. Si tu as la rigueur là, frère, même si on a soleil, si je dis ça là, non. Vous voyez, non? Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'intérêt. Il sent que le frère est sérieux. Il y a beaucoup de Amen. Beaucoup de ça. Il est de foule des mauvais parasites. Il est de bonnes plantes. Il est une vraie plante. Il tient que non, on demande pas d'arroser. Il n'a pas que le mauvais parasites. Mais Dieu arrose lui-même. Il refoule les mauvais parasites. Amen. Amen. Le diable nous connaît. Beaucoup de avec toi. Amen. Amen. Il est dit. Un atouba. Quel des fois il devient? Il est pas sûr. Mets ta main là. Juste pour souiller l'image du message. Mais il connaît que s'il va chercher, il ne va pas arriver. Il est vacciné. Il va aller là où c'est faible. Détruit l'image du message. Amen. Amen. Il dit. Il est solide. Il est force. Sa force repousse les mauvaises parasites. C'est comme ça avec un bon chrétien solide. Amen. C'est comme ça. Avec quoi? Un chrétien solide. Un bon quoi? Un bon chrétien solide. Comment? Solide. Vas-y, vas-y. Comment là? Solide. Alléluia. Mais combien de chrétiens sont solides? Ouais, mais le diable, on a pris le hein? Hein? Combien de chrétiens sont solides? Ouais, mais le diable, on a pris le diable. Un chrétien qui est solide. Il dit c'est comme ça avec des chrétiens solides. Qu'on ne peut pas. Il dit que c'est là, non? Qu'on ne peut pas faire balloter par n'importe quelle chose. On a un démon qui est carré une seul. Comme un vent. Vous te faites balloter. Et tu te balloter facilement. Tu n'es pas solide. Juste. Amen. 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 Ce n'est pas moi. C'est Dieu en moi. Il me rend solide. Amen.
sœur. Non. Belle. Position. Amen. Amen. On va bouger les chaînes. Bouge comme ça. Là, on verra. Quand ça fait ça, après ça revient. Amen. C'est ça. Il s'appelle qu'il se penche. C'est comme s'il semble te croire. Mais après, il revient. Oh, frère Bernard. Il a pris tes enfants. Il a pris ta femme. Et tu continues à servir. Il y en a dit que j'ai sonné de croire. Après, tu n'as pas de voilà. Il n'est plus vulnérable aux maladies. Je dois finir. Il dit, il est solide, fort. Il dit, il est solide et fort. Sa force repousse sa force. Amen. Repousse les mauvaises parasites. C'est comme ça avec un bon chrétien. Pas un faux chrétien. Un bon chrétien. Solide. Il peut vaincre toutes les tentations. Il y a des gens qui pensent même aujourd'hui que ce que par exemple là c'est impossible. Oh non, on est faillible. Je ne sais pas si on doit ou au ré ou quoi. Là on est faillible. Là on est faillible. Mais l'homme est solide ici. Amen. Amen. La chair est faite. Ça s'arrête là. Mais l'esprit est imposé. Vous avez la force à l'âme. Donc la chance est en barrière. Si tu crois être insolite et puissant, tu seras impuissant. Et les maladies vont t'atteindre. Parce que cela vainc toutes les choses du monde. La femme peut dire, venez bien aimé, nous ne deviendrons donc pas un vieux jeu. On va à la danse. J'ai trouvé une perle de grand prix. Mais vous êtes qui c'est un amen. 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 J'ai trouvé une paire de grands prix. Mais t'as là, qui c'est comme ça? Eh bien, amen. Vous savez, on va encore fumer. Absolument pas. J'ai trouvé quelque chose. Mais vous êtes qui ma aussi? Des lois plus glorieux. C'est le plus loin, plus glorieux. Amen. Que Dieu vous bénisse tant. Amen. Que Dieu vous bénisse tant. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Et que Dieu soit avec vous. Amen. Amen.
Je prie qu'après la ligne de prière, vous frayez la voie à l'autel de Dieu. Donc moi je dirais après cette partie que je vais lire là, que tu te frayes une voie vers l'autel. Vous passez la ligne de prière ici, ok? Vous frayez la voie à l'autel, vers l'autel de Dieu. Et que vous soyez... Vous soyez remplis du Saint-Esprit ce soir. Alors maintenant le prénom, c'est le mal en seul mot. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous comble. Il dit, approchez-vous ici à l'autel. Après d'être rempli. Du Saint-Esprit. Je prie que Dieu, notre Père, vous l'accorde. Amen. Je crois à cette prière. Amen. Et c'est un prophète. Mikou. Amen. Si Moïse a frappé le rocher deux fois, l'eau est sortie. Là, Seigneur m'a formé le rocher. Il demande une chose juste. Je crois que Dieu l'a accordé pour ce plan-là. On va le recevoir ce soir ici. Amen. 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 Bénissez le terreau. Louis Saint-Poulier. Mon vœu, Brana. C'est pas moi. Le prophète. Mon vœu, il dit, je prie que Dieu vous, Dieu, je prie que la ligne de prière, vous soyez la voie à l'autel de Dieu et que vous soyez remplis du Saint-Esprit ce soir, pas demain, ce soir. Je prie que Dieu, notre Père, vous l'accorde. Je suis pas merveilleux. Mettez-nous debout. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Ok? Amen. On ne doit pas arrêter cette bénédiction-là. Ne sois pas orgueilleux. Dieu risque aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Tu connais. Si le signe est là. Amen. Tu connais. Toi-même. Par rapport à ce qui était prêché. Tu connais. On prêche depuis longtemps ici. Comment savoir que nous l'avons? Amen. Le signe, c'est d'avoir la parole. Il dit que parole a été le testeur. Amen. Donc sois humble, approche-toi du Seigneur. Et demande la vie éternelle. Le Saint-Esprit qui est le salut. Très capital. Amen. C'est mon joyeux Saint-Esprit. Oui, c'est ça. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. En vivant, sacrifice, mon corps et mon esprit. Oh, accepte. Fils de Dieu, et que
C'est toi,